L'UNSA, c'est un syndicat qui pèse pas vraiment dans le game. Faux ! L'UNSA, c'est l'Union syndicale des syndicats autonomes et c'est la 5e organisation syndicale de France. Ouais. Ils ne sont pas encore sur le podium, ok ? Mais c'est le seul syndicat qui progresse constamment depuis des années. Ah ! Eh oui, ce sont 200 000 femmes et hommes mobilisés pour accompagner et défendre les travailleuses et les travailleurs. Ça t'embouche un coin, hein ? Oui, enfin, 200 000, c'est bien. Mais c'est auprès des salariés qu'ils doivent être. Justement, que tu bosses dans le public, le privé, dans une grosse boîte, une TPE, que tu sois employé à domicile ou VTC, l'UNSA peut t'aider et porter tes revendications auprès de ton employeur. En 2021, ce sont près de 571 000 personnes qui ont fait confiance à l'UNSA, tous secteurs confondus. Attends, mais ça fait un paquet de voix, ça. Mais grave. Dans le privé, l'UNSA arrive souvent en première ou deuxième position. C'est le cas chez IBM, à la Caisse d'épargne, chez Canal+, Decathlon, Ikea, Aesio, Kiabi, Eiffage... Oh, ok, je vois. Là où il y a un comité social d'entreprise, l'UNSA fait en moyenne 24%. Mais elle n'est pas candidate partout. Alors, imagine le nombre de voix recueillies si elle l'était. Un vrai carton. Mais est-ce que c'est pas encore la même rengaine ? Les salariés des plus grandes entreprises qui sont défendus ? Ça doit pas être la même histoire dans les petites boîtes. Eh ben, détrompe-toi. En 2021, l'UNSA a obtenu la médaille de bronze des organisations syndicales dans les TPE avec 15,9% des voix. Ok, mais ça, c'est dans le privé. Et pour les salariés du public, tu vas pas me dire que l'UNSA pèse aussi ? Eh ben si. L'UNSA est très bien implantée dans le secteur public aussi. En 2018, c'est la 4e organisation des agents publics avec 11,2% des voix. Là, je te parle de la fonction publique d'État, hospitalière et territoriale. Ok, ça donne quoi concrètement ? Des résultats, tiens. L'UNSA est aux deux premières loges au ministère de la Justice, de la Santé, des Sports, de l'Éducation nationale et dans de très nombreux établissements publics de santé ou collectivités territoriales. Ah oui, c'est beau. Faut que j'aille voir ça. Bah ouais. À bientôt à l'UNSA alors, hein ?